Hey, salut, allez, on se retrouve aujourd'hui. On va faire une vidéo qui va vous plaire. Ça va pas être très long sur la mygale, donc la brachypelma arborée, comme vous savez. Je vous en parle pas souvent. Bon, là, il pleut, putain, un peu de merde. J'allais faire un peu le poulailler là, et c'est pas GG. Le temps est un peu pourri aujourd'hui, donc voilà. On va faire avec. Moi, je vais partir au shop quand même pour bosser. Je vais faire mes plans vidéo et puis je vous poste ça entre deux clients. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve. Allez, c'est parti. Bon, il y a le chien à côté qui fait du bruit. Pour ceux qui m'ont demandé, beaucoup me demandent, je ne montre pas assez. Donc la Brachypelma arborée, anciennement Brachypelma smithii. Voilà, elle est sortie, donc j'en profite pour vous la montrer. Je sais que pas mal me demandent. Alors voici son terrarium à 30-30 de Terra Delta, qui sont super bien. Faut short la vidéo de Terra Delta, c'est vraiment pas mal. Alors, c'est des mygales que je ne m'amuse pas à manipuler spécialement. Voilà, je les prends. Mais vous voyez, son abdomen est propre. Il n'est pas trop abîmé. Parce que comme vous savez, quand du moment en fait, où on va les emmerder, elles vont taper avec leur patte arrière sur l'abdomen pour envoyer des poils urticants. On arrive à voir devant donc les poches des chélicères, les deux petites pellipades, ensuite les pattes, au milieu le céphalothorax et derrière l'abdomen. Donc là, c'est une grosse femelle. Elle est vieille, hein. J'espère qu'elle va durer encore longtemps. J'essaie d'en trouver d'autres, mais c'est pas simple. Donc, s'il y en a qui savent où je peux en trouver, je vais doucement pour pas qu'elle se barre. Pour que vous puissiez la voir de plus près, je vais essayer de faire m'approcher un petit peu et de faire un gros plan. Donc j'arrive pas à m'approcher plus pour avoir de la netteté. Je pense que j'ai pas assez de lumière. Voilà, j'espère que la netteté vous suffira. Je peux pas zoomer plus. Et voilà, on la voit déjà pas mal. Après, je fais ça avec le téléphone. Donc, il faudrait que je me change de mode. Mais bon, vous avez déjà un joli aperçu. Donc là, elle est perchée. Vous voyez, sur sa grotte. Enfin, elle a deux grottes. Elle en a une à droite et une à gauche. Les deux petites grottes. Donc, une inversée pour pas qu'on la voit. Une où on peut la voir. Mais elle passe son temps dans son terrarium. Donc, elle est super bien. Elle a un bac d'eau ici. Bon, il faut que je mette de l'eau. Et un bac d'eau qui me sert pour le pothos au fond. Qui me sert à avoir un joli décor à l'intérieur. Donc, elle est très, très bien. Vous voyez, elle se porte bien. Ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. 5 ans, 4 ans, ouais. Et mon collègue l'avait déjà, donc c'est une vieille bête. Ah, je peux zoomer, par contre. Donc, je peux zoomer. C'est net quand je zoome. On va me mettre en x6. Voilà, je ne vais pas l'embêter. Je vais vous montrer un petit peu, elle doit partir. Hop. Vous voyez, le moindre mouvement, je vais vous montrer si elle tape le cul. Quand je l'embête, vous voyez, elle va chercher à s'en aller. Elle va pas chercher, en fait, à forcément taper le cul. Par contre, hop, si je viens l'embêter, automatiquement, elle va venir taper l'abdomen et faire voler des poils. J'enlève ma main rapidement parce que le problème, c'est que ça gratte après. Oh, elle n'a pas envie. Bon, elle est bien, elle n'a pas envie. Donc, c'est pas grave, j'essaierai de vous filmer ça un autre jour. Elle va se cacher derrière. Petite vidéo sur la mygale. Je vous remercie. Salut, salut, à plus tard.